Hello tout le monde. Alors aujourd'hui ça va être une petite vidéo. Si la mâche en 125 cm3. Voilà, je suis rendu au rodage au niveau au troisième niveau. Hein. J'ai dépassé les 600 km, ce qui fait que je peux monter à 90-95 au compteur. Ça vibre un peu quand même. Là je suis à 70 au compteur, là ça vibre. C'est bizarre hein, parce qu'il y a des moments où. Attendez, la route, il faut que je prenne, c'est Saint-Pierre-de-Maille. En fait, c'est que il y a. Au tout début quand je l'ai eu, ça vibrait pas mal à 70 à l'heure, parce que j'étais bloqué à 70 pour le rodage. Et en fait, à 70, un peu autour de 70, 75, ça se mettait à vibrer. Ça vibrait pas mal. Et après, quand je suis passé au deuxième niveau, et ben en fait, ça s'est arrêté de vibrer. Là, ils sont pas heureux à se baigner. Là. Saint-Pierre de Maillé, c'est par là. Je pense que c'est par là. En fait, ouais, ça vibrait pas mal à 70 à l'heure. Ça s'est estompé et là, ça revient un peu moins fort. Là, voilà. À 70, là. Ça vibre un peu moins fort qu'avant, mais ça vibre toujours un peu. Et c'est un peu chiant. Je vais attendre la fin du rodage pour changer mon pignon de sortie de boîte. Ça j'espère et je pense hein, vu tout ce que j'ai pu lire, je pense que ça estompera les vibrations. Apparemment ça, vu qu'on rajoute une dent, ça allonge un peu la vitesse quoi, enfin ça allonge un petit peu hein. Au lieu de rouler à 110 max, on roule à 115 quoi. C'est pas énorme, mais c'est toujours mieux pour rouler sur des eaux, sur des routes comme on est là à 90, sachant que 115 sur le compteur, si on a 10 km/h de décalage, vous voyez, ça donne 95, 100. C'est pas négligeable quand même, je trouve, 5 à l'heure. Pour pouvoir rouler sur les routes à 90 sans faire chier le monde, et en même temps, si on a des espèces de petites voiturettes ou des trucs comme ça à doubler, sans qu'on puisse les doubler sans peine. Sinon, on est plus dangereux qu'autre chose, quoi. Sinon, niveau, j'ai pas eu un seul problème jusqu'à maintenant de boulons qui se dévissent, qui se desserrent, une perte d'objets, comme j'ai pu lire sur certains postes. Des poignées qui se barrent au niveau à l'arrière, là, les poignées pour le passager qui sont barrées, le support plaque de ce plaque d'imat là qui se dessoude avec les vibrations. Ça après j'ai lu, c'est peut-être des personnes qui n'ont pas changé le pignon et que effectivement avec toutes ces vibrations ça a fait se dessouder. En fait j'ai regardé et c'est vrai que c'est soudé vraiment faiblement. Des petites soudures faites par des petits chinois, c'est pas le top niveau on va dire. Mais bon, pour le prix de la moto, on va pas non plus demander de la moto haut de gamme. Niveau rouille, la rouille, j'ai lu aussi qu'il y avait pas mal de boulons et tout qui rouillait. J'ai prévu un peu le coup. En fait, l'autre jour, j'ai passé du rustol sur tous les boulons qui sont successifs d'avoir de la flotte en permanence dessus quand il pleut. Surtout au niveau du moteur, tous les boulons moteurs, les boulons du cadre, au niveau là du guidon en haut, du phare, à l'arrière. J'ai passé du rustol un peu partout. Comme ça, ils sont protégés. Il faut faire ça un peu tous les ans. Ça se voit pas, le rustol en fait c'est incolore, donc vous avez aucune trace de peinture, ça se voit même pas, c'est nickel quoi. Si vous avez une mâche et que vous voulez éviter justement la rouille, il vaut mieux prévenir que guérir,
N'hésitez pas à passer du Rustol, hein, ça s'achète en petit bidon de 1,5 litre, je crois. Ça coûte une vingtaine d'euros. C'est au moins comme ça vous êtes tranquille, pas besoin de se soucier si ça va rouiller ou pas. Ah là, je peux vous dire que ça vibre. Ça me vibre les fesses. C'est... Ouh. Ça va commencer à... Parce qu'à force de... Les vibrations, à force, ça vous... Mais une sensation de faut gratter quoi. C'est dommage qu'il ne prévoit pas ça, c'est quand même un point simple à réparer quoi. Et surtout que ça a dû remonter depuis 2013, ça a dû remonter pas mal aux fabricants qu'il fallait quand même faire quelque chose pour justement ces vibrations excessives quoi. Et une dent de plus sur un pignon, je pense pas que ça doit augmenter le prix de la moto à des prix phénoménaux quoi. Donc voilà, et même au niveau du moteur, je pense qu'ils auraient pu mettre un genre de petit cylindre bloc. Des petits cylindres blocs pour un peu absorber les vibrations du moteur en lui-même. Des petites des rondelles en caoutchouc quoi, entre le moteur et le châssis, c'est que dalle quoi. Oh, putain. Pas grand chose à faire. Bon, que voulez-vous? Que voulez-vous? Les choses simples sont difficiles à faire. Et les trottoirs. Hein. Je vous vois un peu pour prendre l'air, monsieur. Ça chauffe. Sinon, niveau confort assise sur la moto, je pense qu'il y aurait des efforts à faire au niveau de la selle. Parce qu'elle est quand même, même si elle est neuve, elle est quand même sacrément raide. Par rapport à la Yamaha derrière moi, qui est une assise assez moelleuse, confortable. Déjà, rien que ça, je pense que ça absorberait bien assez les vibrations pour les fesses. Ensuite, au niveau du guidon, bon, les poignées, on sent un peu les vibrations. Elles sont assez grosses, assez... ouais, moi je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal pour ce que c'est une espèce de caoutchouc strié là, c'est pas mal. Moi je suis pas déçu des poignées. Au niveau du guidon, bonne sensation. La position, je la trouve nickel. Quand je prends la Yamaha derrière, je peux dire que ça change. Hein. Le guidon qui est en hauteur, on est vraiment... le dos est droit. On est raide. Alors que là, je suis un peu courbé. Les poignées sont vraiment... en ras du guidon. Je trouve que c'est une bonne position pour conduire. Enfin, moi, j'apprécie. Après, je pense que certains n'aiment pas avoir la tête dans le guidon comme ça ou être proche du guidon, mais moi j'apprécie cette position. Après, niveau de tout ce qui est voyant, bon, bah, on voit rien. Là, je sais pas à la caméra si vous le voyez bien, mais je suis en cinquième. Bon, et je distingue d'un. On dit, j'ai vu pas mal de choses qu'on voyait pas avec le soleil. Bon, là, je distingue quand même le 5. C'est sûr que c'est pas foufou, hein. Là, si je mets l'ombre du casque, je vois bien. Après, là, on distingue quand même le chiffre. Ensuite, les clignotants, bon, c'est pareil. Hein, quand il y a du soleil, on distingue... pas top top, mais... bon. Après, clignotant, on le sait quand on le met ou quand on l'enlève. Hein. Ouf, la vache. Les vieilles fermes comme dans le temps où les poules sont dans la cour devant la maison. Il y en a encore qui vivent comme ça. Alors là on arrive dans un petit village assez sympa qui est renommé pour son château, pour sa petite rivière, la Gartempe qui passe au pied. Ça s'appelle Angle sur l'Anglin. Vous allez voir, c'est assez chouette. Est-ce que ça filme? Ouais, c'est bon. C'est assez chouette. Il y a plein de restaurants et en fait au mois de juillet il y a un grand feu d'artifice pour le 14 juillet qui
est super, qui est payant d'ailleurs. Faut payer pour venir voir le feu. Toutes les rues sont barrées et... Vous voyez, c'est chouette, on peut faire du canoë. On se pose là ? Par contre, il y a un problème, c'est qu'en fait les vitesses ça passe mal. Bon, après c'est peut-être... attacher le casque, moi ça m'arrive tout le temps ça. J'oublie tout le temps d'attacher ce putain de casque. Ridoux tranquille, on est au taquet. Voilà rendu, ça y est. Là. Bon bah voilà, petite sortie, 70 bornes, 70 km.